C'est une rencontre avec Dieu. Voilà, c'est la rencontre que j'ai faite. Ce jour-là, j'ai reçu un soulagement. Ça a été une grâce, en fait. J'ai senti qu'il était vraiment là. Et j'ai jamais connu telle sensation dans ma vie auparavant. J'ai accepté le Christ dans mon cœur. J'ai eu l'impression d'être quelqu'un d'autre. J'ai eu l'impression d'être une autre personne. Je me suis sentie libre, d'être tellement libre. Je portais le voile, que j'ai enlevé mon voile. Le baptême, ça c'était une libération monumentale. J'ai assisté à une messe et j'ai pleuré de joie à la messe. Je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Ça m'a rempli de joie en fait. Au mon Jésus est officiellement rentré dans mon cœur, il est devenu mon Jésus. Que toute personne doit au moins avoir la possibilité de connaître la vérité, le Christ, et après elle fera ce qu'elle veut. Mais au moins donner la chance à toute personne de pouvoir se tourner vers Dieu. On ne peut pas garder ça pour nous, c'est un trésor. C'est par amour que nous faisons ce que nous faisons. D'ailleurs, nous savons bien en tant que chrétiens que c'est Dieu qui convertit, c'est Dieu qui touche les cœurs. J'ai senti que Dieu en fait était venu pour me dire qu'il m'aimait, qu'il me pardonnait aussi tout ce que je pouvais faire de mauvais, mais qu'il m'aimait vraiment moi en fait, et que j'avais pas besoin de changer d'identité parce que j'avais énormément de peur sur ça. Et un dernier pour la route. Merci beaucoup. Dieu est amour, vous savez. Merci. C'est la bonne nouvelle du jour. Oui. Que Dieu vous bénisse.